La transformation digitale est avant tout inévitable pour les organisations qui veulent aller de l'avant, qui veulent survivre et qui veulent évoluer. L'organisation est-elle prête d'adopter ce changement? Quelle est la grandeur du pas que l'organisation et surtout les humains à l'intérieur de l'organisation est capable de faire? Bienvenue à tous, bonjour. J'ai le redoutable honneur de d'ouvrir la séance. J'étais venue avec un besoin de réponse, je repars avec des questions, donc c'est plutôt bon signe en fait. Je suis très surpris en bien du mélange philosophique avec le côté méthode, donc je trouve l'aspect humain est bien mis en avant. Quelque part, je me demande, moi aussi, quelle est ma légitimité d'être ici, de vous parler de digitalisation. Je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai comme expérience et tout. Moi, j'ai grandi dans les années 70, dans une petite ville. C'était Zurich, c'était les hippies. Les factures de gaz étaient imprimées sur des cartes perforées qui étaient ensuite lues par les systèmes. Heureusement, j'ai pas travaillé dans ça. Une excellente journée. Une journée riche en enseignement, une journée riche en rencontres et en partage. Et également beaucoup d'impressions que nous sommes à une période absolument incroyable où on vit une véritable transformation aussi et les défis sont multiples. Tout ça, et ben, ça fait aussi partie de la transition de société dans laquelle nous sommes et à laquelle participe la transformation digitale. Le sujet des robots, c'est un sujet dont on parle beaucoup ces dernières années. On imagine des robots qui pourraient nous remplacer dans nos tâches quotidiennes. C'est clairement d'accompagner dans le changement. L'apport de la business analyst dans la transformation digitale, c'est d'aller comprendre comment les gens font aujourd'hui, trouver de nouvelles façons de faire grâce aux nouveaux outils informatiques et d'accompagner ce changement du début à la fin. L'IBA à Geneva, chapter, est fier de remettre le Swiss BA Award 2019 au transport public genevois. Le congrès BA, cette année, je peux dire que c'est l'année de la maturité. Ça fait 3 ans qu'on organise ce congrès et d'une année à l'autre, on applique l'amélioration continue. Et par exemple, le changement qu'on a effectué en venant ici à Genève est très bénéfique d'un point de vue infrastructure, mais on voit aussi que l'organisation générale s'est améliorée et ça se reflète par la satisfaction des gens et qui nous l'ont répété au cours de la journée. Eh bien, pour moi, ça a été courir d'un coin à l'autre et voir beaucoup de sourires de gens satisfaits, de gens contents et de gens qui disent qu'ils vont revenir. Donc je pense qu'on a fait un bon job. On devrait le faire tous les mois.